Kate Middleton et William, exit Harry et Meghan. Ce nouveau couple vers lequel ils se tournent. Pas facile de porter sur ses épaules le poids de la couronne. Le prince William et sa femme, futurs héritiers du trône, ont trouvé en qui ils pouvaient désormais avoir confiance, après le fiasco de leur quatuor avec Harry et Meghan, comme le raconte The Express ce 27 septembre. Le Brexit les a fait sortir du Royaume-Uni, tout comme du cœur de William et Catherine, Kate. Autrefois surnommés les Fab Four, le prince William, son frère Harry et leurs épouses avaient de quoi faire rêver les Britanniques. Quatuor de choc à la tête d'une nouvelle génération de royals, ils montraient un front uni et une complicité agréable à voir. Tout a changé en 3 ans et aujourd'hui, les deux Galles ont trouvé un autre duo à qui accorder leur confiance. The Express cite Jenny Bon, experte royale, qui affirme que le prince et la princesse de Galles peuvent faire confiance au duc et à la duchesse d'Édimbourg car ils se respectent mutuellement. L'oncle et la tante de William sont en effet très proches des deux Galles, la duchesse Sophie d'Édimbourg ayant même fait un déplacement officiel avec son neveu, prouvant leur proximité. Parfois, cela semble même bizarre quand on pense que ces deux couples sont issus de différentes générations mais ils sont très proches. Pas de souci d'âge entre William et Edward ou entre Catherine et Sophie. Les 4 membres de la famille royale partagent les mêmes valeurs et éduquent leurs enfants de la même manière, ce qui a sûrement contribué à les rapprocher. William et Kate au sommet des sondages. Le couple de Galles peut en tout cas se réjouir, alors que Harry et Meghan n'ont cessé de divulguer anecdotes désobligeantes ou humiliantes sur le duo héritier de la couronne, ils sont toujours au top de leur popularité. Le prince William et son épouse, Catherine Middleton, sont les membres de la famille royale britannique les plus populaires, selon un récent sondage du Mail Online. Ils sont même plus appréciés que les actuels occupants du trône, le roi Charles III et la reine Camilla. Selon ce sondage de nos confrères britanniques, seule la défunte reine Elisabeth II est considérée comme ayant apporté une contribution plus positive à la monarchie que son petit-fils le prince William.